Salut à tous, je m'appelle Antoine Michalet, j'habite à Béziers et aujourd'hui je voudrais vraiment faire cette vidéo pour les placements abusifs. Moi-même qui me suis fait enlever mes enfants, je voudrais rappeler ma situation aux quelques personnes qui puissent voir cette vidéo. Le 22 juillet, des représentants sociaux se sont présentés à mon domicile sous une dénonciation anonyme et venus à l'improviste à la maison. Je les ai accueillis et en premier temps, nous ont tout de suite menacé de nous placer nos enfants si jamais nous ne suivons pas toutes leurs conditions. Moi, leur expliquant ma façon de penser sur leur travail et sur leur façon de procéder, ils m'ont répondu: Ah, ok, monsieur, il n'y a pas de souci, on verra ça. Et ils sont repartis. Le rendez-vous a duré 5 minutes. En tout et pour tout. Ils sont revenus du lendemain avec 6 policiers de la brigade des mineurs pour nous enlever les enfants sur le champ, en nous accusant de drogue, en nous accusant de logement sale, en nous accusant de violence sur les enfants et de violence de moi-même sur ma compagne. Tout ça sur un rapport du jour au lendemain. Et nous ont enlevé les enfants du jour au lendemain sous décision du procureur. Actuellement, on voit nos enfants 2 heures par mois dans les locaux de l'ASE sous la surveillance d'une éducatrice. 2 heures par mois. Ils n'ont plus de place dans leur service médiatisé pour augmenter les visites. On ne peut rien faire. Tout est à l'arrêt. Nous-mêmes, on a fait toutes les démarches pour prouver que nous sommes capables de nous occuper de nos enfants et pour prouver qu'ils ont menti sur leur rapport. Donc, je voudrais vraiment faire cette vidéo parce que moi-même, j'ai grandi à l'ASE et grâce à l'ASE, j'ai pu vivre une belle vie que j'aurais peut-être pas pu vivre avec mes parents. J'étais en danger et l'ASE est intervenu et sur ça, je les remercie. Sauf qu'aujourd'hui, il y a vraiment un gros décalage. C'est une aberration. C'est plus une question de danger, c'est une question de moyens. Ça devient un besoin d'argent, un besoin d'enlèvement. Aujourd'hui, aucun élément, aucune enquête a été menée pour justifier le placement de mes enfants. Ils ont été séparés. Les frères et les sœurs, ils ont été séparés. Et aujourd'hui, on les voit 2 heures par mois dans les locaux de l'ASE. On est devenus des criminels. C'est incroyable. En tout cas, j'espère que la situation s'arrangera pour tous les parents à qui les enfants sont placés, pardon. Et je leur mets vraiment un grand soutien. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis touché parce que la situation me touche. Et je voulais vraiment faire cette vidéo pour témoigner et pour tous soutenir du moins les parents à qui leurs enfants y sont placés et ont beaucoup de problèmes avec la justice et ont vraiment du mal à récupérer leur enfant comme j'ai actuellement.